Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 8ème épisode dans Let's Play sur Breath of Fire 1. Dans l'épisode précédent, on a été sauver le maire de la ville dans laquelle on se trouve et on a fait la rencontre de Beau, un nouveau personnage qui va nous accompagner. Maintenant, je dois aller dans la ville de Romano, je crois. Je l'ai cherché, on l'a cherché pas mal en fin d'épisode précédent. Et au final, aller pas très loin de la ville de Nina. On va aller voir ça. On a gagné quelques niveaux en cherchant comme ça un peu au hasard, mais... Bien joué Nina, je savais que je pouvais compter sur toi. Le coup critique qui fait plaisir. J'espère que vous allez tous bien. Moi de mon côté, ça a plutôt pas mal. J'espère que le let's play vous plaît pour ceux qui le regardent. Ok. Normalement, c'est par là. Là, y a rien. J'aimerais bien pouvoir récupérer les petits coffres qu'il y a dans la salle. On va retraverser la grotte pour voir. Peut-être que en passant par là, ça va le faire. Il est quand même bien fort le petit Ryu. Hein. Dire qu'on peut rater le boomerang. Bon, j'espère que je suis sur la bonne route quand même. Vu qu'on a déjà perdu pas mal de temps là-dessus dans l'épisode précédent, ce serait dommage qu'on reperde du temps dessus. Mais c'est vrai qu'obtenir une carte, ce serait vraiment bien plus cool. Savoir où sont les différents items.
Voici Romero, Karma se trouve à l'ouest, Agua au nord. La potion du magicien a souillé la terre, les zombies sont désormais libres. Il existe une eau appelée eau purificatrice, elle pourra peut-être purifier la terre. Vous êtes au courant pour Agua? Le chef a dit quelque chose au sujet de la déesse. Un couple vendait des objets comme la jarre d'eau. Elle peut contenir une grande quantité d'eau. Les zombies ont dévoré nos animaux, et je crains que nous soyons le prochain sur la liste. La vieille femme sort la nuit malgré la présence de tous ces zombies dans les environs. Je ressens une grande fatigue. Faut peut-être être là la nuit. L'eau de la source de la grotte du sud-ouest vous revigorera. Débarrassez-nous des zombies et je vous parlerai d'Agua. Je veux bien, mais sont où les zombies? Ouais, faut peut-être revenir la nuit, hein. Que fait ce trou ici? Nous vivons ici en secret, nous sommes assez nombreux, blablabla. Quel pagaille, ces jarres sont en désordre et la carte a disparu. On avait récupéré un item ici, mais... Donc du coup, il faut revenir à la nuit. On va dormir un peu à l'auberge. J'ai combien de sous moi? J'ai 11 000 sous. J'ai 11 000 pièces d'or. Ont dévoré nos animaux et je crains que nous soyons les prochains sur la liste. Bon, les avez vus les petits animaux qui étaient là. La nuit, je sais pas, il est quelle heure là.
moins qu'il y a un truc sur une tombe. J'ai l'impression que la nuit tombe petit à petit, hein, mais c'est peut-être qu'une mauvaise impression. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite pause, je vais attendre que la nuit elle tombe et on se retrouve juste après, à tout de suite. Re les amis, du coup je crois que, enfin, j'ai cherché une petite solution sur internet, et donc il y a une fille qui nous a dit, aux purificatrices, voilà, elle pourra peut-être purifier la terre. Gardeau. Un couple vendait une jarre d'eau. Mais où est ce couple? Je pense qu'il me faut la jarre d'eau. Je pense qu'il me faut la jarre d'eau. Et après, il faut que j'aille chercher l'eau purificatrice. C'est pas grave, sinon on va aller... On va essayer de trouver cette eau purificatrice. Ok, d'accord, la carte ça m'indique les différents trucs, mais ça m'indique les villages. Ça, c'est la carte qu'on a eu à Romero. Par contre, apparemment, faut bien attendre la nuit. Ok, commence à faire nuit. Ok, la sorcière est là, avec des zombies. C'est l'heure des zombies. Vous voulez que la jarre d'eau purifie le sol? Mais alors, mon mari zombie s'en ira? Je dois m'en aller. L'eau purificatrice ramènera la vie au village. Tu manqueras, mais si tu insistes... Le
purificatrice est dans la grotte de l'ouest. Utilise la jarre située sous la tombe. Ok, bah voilà. Merci les zombies. Héros. L'eau purificatrice est dans la grotte de l'ouest. Utilise la jarre située sous la tombe. Et bah dis donc. Vous obtenez la jarre. Ok, cool. Vous obtenez herbe. Située au sud-ouest, la grotte. Ce qu'on va faire, mince, je vais utiliser de la fumée pour avoir moins de combats. Allez. Il y a des trucs qui sont pas quand même évidents, à savoir qu'il faut venir de nuit pour parler à la sorcière. Ah, attendez, je... Apparemment... être beau en leader. Mince. Et ça, il permet de traverser la forêt. Au-dessus. Bah, j'aurais galéré, je pense. On peut dire merci aux solutions sur internet. Déjà que j'ai eu un peu de mal. Voilà, ok, beau, il peut passer lui. D'accord. Je pense qu'il faudra revenir plus tard. Déjà, il fallait capter que avec Beau on pouvait traverser les arbres. Il n'y a rien qui nous l'indique en fait. Ça c'est des trucs qu'on... C'est vrai qu'on peut faire ça. Avec les touches L et R. Ok. Je
Ça fait de l'expérience, c'est cool. Joli casque. Pour un de défense en plus, perdre 2 en vitesse, c'est pas terrible quand même. J'aurais peut-être dû la soigner par contre. Hop. On va bien visiter toute la grotte, ça va être assez important. Ça, c'est l'entrée. Il y en a. Non, je veux dire pourquoi l'autre a été tapé, mais non. C'était normal. Hein. Avec le boomerang, on attaque les deux. En tout cas, ça fait de l'expérience. C'est cool. Bien joué Nina. Bien joué Beau. Je savais que je pouvais compter sur vous. Je devrais peut-être les soigner un peu mes persos. Bon, quoi plus. On va attendre après. Critique qui fait plaisir. J'espère que je vais pas tomber sur un boss, ça m'arrangerait. Un petit niveau de plus pour Nina. Téléportation. Thank you.
On va pouvoir se soigner juste après. Ils sont pas très forts ces monstres là, mais ils encaissent plutôt bien. Ils encaissent plutôt bien les dégâts. Un petit niveau de plus pour Beau. J'ai vraiment envie d'explorer sans rien oublier, donc en tout cas ça rapporte pas mal d'expérience. Alors on va visiter cet étage, voir si j'ai rien oublié, et on s'arrêtera là pour cet épisode. Forcément là je vais arriver à l'escalier. Ok, remontons. On va pas laisser le petit coffre tranquille. Thank you.
Bien joué, Nina. Je savais qu'on pouvait compter sur toi. Ryu, il a pris un petit dégât, il est fatigué. On va aller jusqu'à l'escalier là-bas et on s'arrêtera là pour cet épisode. Donc les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je suis désolé pour la longueur, pour trouver la jarre, etc. Et pour trouver que Bo pouvait traverser les arbres. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur Breath of Fire. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt. Ciao!